来た。こんにちは。コメントください。書かないかな。コメント、コメント。Kobawa. While the fort was end, it is a comédie dramatique japonaise de Tatsuo Matsui qui est centrée autour du personnage de Siro, une jeune adolescente qui possède un podcast, Twistcast, comme ils disent dans le film, sur la mode, sur les différents maquillages, sur les différentes façons de pouvoir s'exprimer, et sur sa personnalité elle aussi, sur sa vie. Donc, et elle travaille également dans une agence de mannequins un peu basse gamme, où elle-même n'a aucune popularité, aucun succès, et est obligée de faire les contrats les plus dégradants et souvent un peu même sexuels pour pouvoir réussir à tenter d'avoir un peu de popularité. Mais elle fait la rencontre une journée où elle va dans un photo shooting pour des mannequins où son seul travail consiste à donner des pamphlets publicitaires aux photographes ou aux assistants à venir au procès, sorte de photo. Elle rencontre donc Atsui, qui est une jeune fille de 13 ans, qui elle est une fan de son travail, adore son podcast, adore son blog, la suit comme un modèle. Donc les deux jeunes filles se lient d'amitié et apprennent à se découvrir un peu l'une l'autre tranquillement. Et ce qui est essentiellement l'histoire du film. Et c'est un petit peu là que le Bob blesse, parce que oui, évidemment, le film se concentre sur le phénomène des idoles, le phénomène des jeunes filles qui essaient par tous les moyens possibles, et les garçons aussi, pas les jeunes filles, par tous les moyens de devenir populaire, de devenir célèbre, que ce soit par le sang, la danse, le jeu, la mode, par l'habillement, vraiment, un peu de mélange de tout ça, créer leur propre style à eux, en mélangeant à peu près tout ce qu'il peut y avoir comme style. Mais d'ailleurs, ça peut aussi pousser à certaines zones d'ombre, cette quête incessante de l'amour et de l'amitié et de la popularité. Surtout aujourd'hui, avec l'Internet, avec les téléphones intelligents, avec même les caméras vidéo accessibles, tout le monde peut devenir l'idole. Tout le monde peut avoir son petit vidéo, son petit moment de gloire sur les interwebs. Et ce qui, à la fois, rend le milieu encore plus dangereux et encore plus délicat. Et comme ça, c'est un peu là que le Bob blesse, parce que si le film traite de ce sujet-là, il se prenait assez au sérieux pour vraiment aller en profondeur dans le sujet, pour vraiment analyser ce que c'est, et aller dans tous les recoins, tant psychologiques que sociales. Mais d'un autre côté, le film n'est pas assez drôle, ne se laisse pas aller pour vraiment tomber dans la satire et se moquer des codes des idoles. Donc le film est toujours en deux 16, en deux idées, tantôt drôle, tantôt sérieux, tantôt dramatique, tantôt tout à fait la crème, tantôt totalement onirique. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une scène bien construite, intelligente, où on parle assez de plein front dramatique, tout de suite avoir une petite blague ou une petite tarte à la crème, un petit côté un peu folie, pour désamorcer les... Ce qui n'est peut-être pas la meilleure solution, ça peut se faire. Il peut y avoir des films, des comédies un peu noirs, un peu lourds, un peu décalés, sur des sujets graves. Mais pour ça, il faut vraiment avoir un dosage parfait et un équilibre parfait sur les lignes très minces, ce que le film ne réussit pas à faire. Il est parfois zégal, c'est parfois très intéressant, très bien pensé la façon dont vous abordez certains sujets. Mais d'autres fois, c'est totalement à plat, c'est totalement raté comme idée. Par exemple, au milieu du film, alors que Ayumi tombe amoureuse du copain de ses héros, son copain est totalement immature, totalement enfantin, ça fait que ses héros veut le mettre dehors, veut se rebeller contre lui, et Ayumi, qui est amoureuse du jeune homme, décide de se mettre du côté de son idole, donc les deux se mettent ensemble, et ils se mettent à flirter ensemble, il y a une espèce d'histoire d'amour un peu lesbienne entre elles, qui sortent nulle part, qui peut être intéressante. C'est une dernière plainte dans des lesbiennes japonaises dans un film. Mais il faut que je fasse des autres et amener dès le début du film, pas au milieu, et après ça, c'est un peu laissé de côté, puis une espèce d'ambiguïté. Alors que d'autres moments, entre autres, plus tard dans le film, quand l'agent
de sirop qui est un être horrible, qui est un être ratoureur, manipulateur. Bref, éventuellement, lui décide, il trouve la petite Ayumi très mignonne, très kawaii, ben, ça fait qu'il est excessivement kawaii, excessivement mignon, excessivement. Dans les lapins, qui est bon, intéressant aussi. Il disait que ce serait bien que tous deux fassent des duos, de petites luttes gothiques, et qui doivent évidemment tomber un peu dans l'affectuel, tomber un peu dans la nudité. Qui, ben bon, c'est au en fait je dirais, des dilemmes, à savoir est-ce qu'elle veut personne dans ce milieu-là ou est-ce qu'elle veut respecter son ami. Et là, ça aurait pu être, enfin, l'idée est très intéressante, puis très bien développée, puis même bon. Sauf que ça ne va pas jusqu'au bout, ils ne vont pas jusqu'à la fin de l'idée. Ça reste au final un film oubliable, je veux dire, qu'on le coupe bien, qui nous fait passer un bon moment, qui fait même une réflexion intéressante sur un sujet de société au Japon, mais qui va pas assez loin pour vraiment marquer les esprits. À bientôt! たいともさせない。生きて